Bonsoir à tous, braves gens, bonsoir. Ici, Monsieur Warner. Et enfin, braves gens, vous entendez la voix de votre seigneur telle qu'elle doit être entendue, si tu veux, garantie. Et ça fait plaisir. Alors, il y a énormément de réglages à faire, hein, si tu veux. Là, j'ai branché le minimum vital pour le stream de ce soir, bien sûr. Mais rassurez-vous, des réglages seront effectués. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous présente le Wave DX, braves gens. Le Wave DX nous fait l'honneur depuis actuellement 1h30 d'être devenu notre nouveau micro à temps plein, si tu veux. Hors stream, mais aussi en stream. Et ça fait plaisir. Du coup, la GoXLR, les photos sont sur Discord, pour ceux que ça intéresse. C'est très intéressant comme appareil, très intéressant. Cependant, c'est un bordel à comprendre, si tu veux. Mais en vrai, je suis très content de plus avoir VoiceMeeter. Parce que vous savez, moi, je passais par VoiceMeeter pour avoir un dispatch, vous savez, des channels. Et c'était la merde, ça plantait une fois sur cinq, c'était insupportable. Alors que là, j'ai un truc physique. Et en vrai, ça change la donne, brave gens. Ça change la donne. Et je conseillerais même à énormément de gens d'avoir une interface audio pour leur ordi. Ça prend, enfin, pour l'entièreté de leur setup, pas simplement pour le PC, mais également pour... même si vous streamez pas, hein. Même si vous streamez pas. C'est un investissement, mais en vrai, c'est confort. C'est confort. Une fois bien réglé, bien sûr. Là, j'ai exploré 5% du truc, si tu veux, histoire d'avoir ne serait-ce que le minimum vital pour ce soir. La preuve étant que si jamais je baisse la musique à zéro, elle y est encore pour vous, alors que ça devrait pas, par exemple. Voilà, il y a plein de réglages. Là, je l'ai baissé à zéro. Vous avez quand même eu la musique. Alors, évidemment, si vous regardez la VOD, ça marche pas, puisqu'il n'y a pas les musiques sur la VOD. Mais en tout cas... ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on n'a plus VoiceMeeter, et ça, c'est un confort. Voilà, VoiceMeeter est une excellente solution de dépannage. Voilà, réellement, hein. Excellente solution de dépannage, mais clairement pas une solution viable sur le long terme, voire le très long terme, en fait, en réalité. Donc, ça fait plaisir d'avoir ça, et sans plus tarder, on va pouvoir lancer notre ami Star Wars Jedi Survivor, braves gens. Ce jeu qui nous a traumatisé hier, ce jeu qui nous a mis une misère, une zermie, on peut le dire dans les deux sens, parce qu'il nous a pris à l'avant mais également à l'envers, et du coup c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire du reverse, si tu veux, du reverse world, tout va bien. Mais on va pouvoir prendre notre revanche sur ces putains de vers des sables et sur ces fucking plateformes dès maintenant. On avait un problème hier avec la boîte. Vous savez, et donc on va reprendre à cet endroit-là et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va se lancer direct. Le câble XLR est encore neuf, du coup il n'a pas pris la forme encore que j'ai voulu lui donner. Donc tant pis, il restera comme ça pour l'instant, il va se détendre au fur et à mesure que la gravité fera effet sur son corps de câble, bien sûr. Alors, sans plus tarder, je lance le jeu et je vous affiche tout ça. Dès que c'est bon, je démute le système. Donc normalement, vous entendrez le jeu, brave gens. Normalement, vous entendrez le jeu. On va voir si c'est le cas. D'ailleurs, si je mute le système, on va voir si vous avez encore du son pour vous. Normalement, vous ne devriez plus. Et moi non plus, d'ailleurs. Vous avez du son. Donc ce n'est pas normal. Alors, là, les niveaux sont affreusement forts. Pour moi, donc je vais le baisser. Et je vais le baisser également pour vous. Et ce qu'on fera, c'est qu'on augmentera au fur et à mesure si nécessaire. Voilà, il y a du drop, c'est normal, c'est le lancement du jeu, comme d'hab, vous êtes habitués. Tout va bien, tout est sous contrôle. Je suis en train de réfléchir, parce qu'il y a un logiciel, en fait. Regardez. Voilà. Il y a un logiciel qui est absolument très bien foutu. Voilà, faut le dire. Du coup, je suis en train de regarder des trucs en même temps pour essayer de comprendre et d'améliorer. Alors du coup, c'est un micro dynamique pour ceux qui pourraient se poser la question. Ça indique quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je parle ici, bah, en fait, ça sert à rien. Voilà, on a chier. Alors que si je parle là, il y a une réelle différence. Voilà.
À direction cardioïde. C'est pour ça. Le dynamique, c'est en fait c'est compliqué. Je sais pas comment expliquer dynamique. Je sais pas comment expliquer bien dynamique en fait. En gros, il y a dynamique, il y a condensateur qui nécessite une alim plus 48 ou plus 24. Et il y a les micros jack 3.5. Et souvent d'ailleurs, les micros à condensateur peuvent être trouvés en USB. Donc voilà, je pense notamment à un très bon micro en USB, et j'ai été même très con à l'époque de ne pas le prendre, c'est le Blue Yeti. Le Blue Yeti qui est un très très bon micro, un très très bon micro USB. Enfin, qui peut se trouver en USB. Je ne sais pas s'il existe en XLR d'ailleurs, c'est une question. Le jeu se lance. Musique, shutdown. Manette, j'ai la manette. Sous contrôle, les ventilos sont démarrés, ils sont démarrés à l'instant, garanti. Bien, Jedi Survivor, brave Jean, c'est parti. Alors, continuons, je vais me la jouer podcast. Continuons, on va se lancer du coup à l'assaut de cette putain de caisse qui nous fait chier, que je ne comprends pas pourquoi elle ne marche pas. En fait, je comprends juste pas pourquoi je peux pas sauter. On va éclaircir cette énigme, éclairons nos lanternes et essayons de trouver des solutions adaptées et adaptables à notre personnage, Monsieur Calquestis, qui réfléchit à moitié des fois. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Bref, le mec était mécano, si tu veux, pendant des années, il a survécu à l'ordre 66, calmez-vous. Calmez-vous. T'as fait quoi, toi, dans ta vie? T'as regardé un stream d'Ashley Warner? Waouh. Ça respecte. Bien. Ça se lance. Le son du jeu. Alors, le son du jeu, je vais l'augmenter encore un petit peu. Mais en vrai, ça me semble pas mal. Alors, je précise que sur le micro, là, il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas... voilà. Il y a un EQ, mais il n'y a pas de compresseur ni rien. Donc, voilà, ça vous permet de vraiment avoir l'idée... Enfin, l'EQ, c'est juste pour régler l'attaque et la release du micro, hein, c'est tout. J'ai pas de modificateur de voix, si tu veux. J'ai même pas configuré Voice Mode encore, donc c'est pour dire. C'est pour dire, c'est pour dire. C'est parti pour notre cher ami Jedi Survivor. On y va, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bien. Alors, nous étions effectivement dans la merde puisque on avait dû recommencer un petit peu en arrière parce qu'il y avait eu un drop en fait, souvenez-vous. Donc, il y a une petite partie là de l'histoire qu'on a déjà vue mais qu'on va refaire parce que bah elle était sympa. À partir de maintenant, c'est parti. Bienvenue sur l'épisode 4. C'est parti. Parade. Salaud, c'est anti-force. C'est anti-force son bordel. Parade. Hop là! Je voulais scanner, j'ai pas pu. On se refait la cinématique si tu veux, ça respecte. Et cette fois, on va écouter ce qu'elle dit. Surtout, principalement. Ok, ok. Alors, tu m'observes ? Comme au bon vieux temps. Surpris de me voir ? Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Mm-hmm. Je n'en jugerai pas si vite, Calquestis.
Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Ok. Viens, mon speeder est là-bas. Ton land speeder ? Les Stormtroopers l'ont trouvé. Alors on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trouvés, vous aussi. C'est parti, baston ! Joli ! Craignez la magie de Datomir. Parade ! Parade ! T'as prendre le respect. Bien joué. Putain, je peux pas faire. Saloperie. Il a éliminé un de nos flame troopers. Flame Trooper. Bien joué. Ok, bah elle s'en sort nickel. Ah oui, les droïdes assassins, let's go. Cal, le mur. C'est pas fini. À nous deux, on peut la voir. Je suis avec toi, Jedi. Dégâts subis. Attention. Ah, dommage. Vas-y, maintenant. Joli ça, bien. Voilà, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Toi aussi, on dirait. Rendez-vous à la base de Serré. Ok, très bien. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher ? Ça te plaît ? Tout à fait. Toujours pareil qu'hier, si tu veux. Je croyais que t'étais parti explorer la galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jedha ? Jedha fait partie de la galaxie, Cal. Tout à fait. C'est bon à savoir. Comme hier, pareil. Je passe voir Serré. Même réflexion. Quand j'ai su que le Mantis arrivait, j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Alors, il faut aller de l'autre côté. On est d'accord que c'est là-bas. Par conséquent, alors déjà... Voilà, déjà le loot pour commencer. Le loot absolument incomparable. Voilà. Le loot qu'on aimait bien. Et nous allons procéder. Oui, ça pourrait marcher. Et ça pourrait marcher, oui, mais. Ça pourrait marcher pas comme hier, si tu veux. Je veux tester des choses. Alors là, c'est absolument impossible qu'elle aille là. Une tempête approche. Voilà, une tempête approche. Ok, c'est super. C'est très bien, c'est cool, mais j'en ai rien à battre. Moi, je veux me concentrer pour placer ma caisse, si tu veux. On n'est pas sur Super Mario ici. On n'a pas le temps. Voilà, et bah hier il voulait pas. J'ai fait exactement la même chose hier. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Des Stormtroopers. On devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. Où sont les Pégus ? Attends. Joli speeder. Les impériaux ne nous le laisseront pas sans combattre. Ah oui, là-bas. Oui, d'accord. Si touche à mon speeder, il risque de le regretter. Ah, c'est le tien, d'accord. Tu es vraiment à ce speeder. En effet. Bah ouais, si c'est le sien. En vrai, je comprends. Hein. Pas déconner, si tu veux, c'est son speeder. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Comme l'autre fois sur Nar Shaddaa ? Exactement. Nar Shaddaa, belle planète, ça. Belle planète, Nar Shaddaa. C'est une première. Bullet ! Et hop ! Cal, attention ! Putain, il a mis un poulet dans la gueule, là, lui ! Bien joué. Bien joué. Viens ici, toi ! Hop là ! Calmé ! C'est tout ? Je m'attendais à plus. Oui, calme-toi, calme-toi. Ne sois pas dissidente. Ils vont me le payer. Ne sois pas dissidente, si tu veux. Tu vas te faire calmer en 2 secondes 3, ça va te détendre. Je peux passer là ? Sérieux ? Les passages sont bloqués. Ça va ? Ça va, oui. Par contre, mon speeder... Oui, bah forcément... Même si la tempête se calme, Serré est trop loin pour continuer à pied. Oh.
queue. Oh. À quoi tu penses? Un gros poney. On pourrait se trouver un transport. Très bien. Suis-moi. Tu n'as pas encore appris à voler, si? Non. Là, tu le vois? Oui. Putain, elle peut faire ça, elle, trop bien. Ok, je surveille s'il n'y a pas du loot. Y aurait-il du loot? Le loot n'est pas présent. À moins que... Hop, 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 hop. Attends. Ça, c'est pas un raccourci, ça? Fuck! Non. Ah, c'est... Fou! Ok, ça avait pas l'air d'être un raccourci, donc on va arrêter les conneries. 5 secondes. Là. Je sais pas où je vais, je vois pas. Ok, ça marche. J'ai absolument pas vu où j'allais. Je vais où? Donc ici. Et ensuite ici. D'accord. Ok, je pense que c'était pas prévu pour être réalisé comme ça exactement, mais c'est passé. BD a l'air d'être à la traîne. Moyen quand même. Oh la vache. C'est juste une blague, droïde. Je ne comprends pas le concept de blague. Très bien. Jump. Parfait. Par là. Bon, je me rétame un peu, mais tout va bien. Okay, je regarde s'il y a du loot, Meryn, tu te calmes. Tu te calmes. Calme-toi. Laisse-moi analyser. Tu n'es pas coincé, j'espère. Mais non. Et arrête de te la péter avec tes pouvoirs absolument incroyables. Nom d'un site, c'est bloqué. Arrête, hein. Ça suffit. Tu vas me foutre le mort. Je préférerais ne pas être un Jedi, là, finalement. J'ai envie d'être comme toi. Oh, attention! Tu essaies de me tuer? Non. Désolé. Moi? C'est bon, Cal. Recule. Je vais réparer ça. Bah, moi. Moi aussi, hein. Ce que tu as plongé dans le chaos. Je sais. Oui, ça va, hein. Moi aussi, je sais faire. Ça avait l'air fatigant. Je sais pas faire. Tu veux faire une pause? La tempête approche. Je sais pas faire. Je me reposerai quand on sera arrivé à la base de Céré. C'est pas un établi, ça? Sur Datomir. Tu es retourné chez toi? Oui. Trop bien. Mes sœurs sont parties. Mais leur sagesse reste. Attends. Je veux voir s'il y a du loot. Pas de loot. Tristesse. Quelle tristesse. Tout va bien. Ha. Ok. Attends. Non, on peut pas descendre. D'accord. C'est simplement du décor. Du loot. J'entends un bruit. Ah, les spamels. Les spamels. Ils se sont arrêtés à une oasis. D'accord, c'est ça que t'appelles les spamels. On se rapproche. Ok, très bien. J'entends. Méditation. Repos. Salle de Ranvel. Très bien. Bon, c'est reparti. La créature est partie, mais elle va revenir. Nous n'aurions jamais dû faire ce voyage. Que les Jedi nous protègent. Les pèlerins. Pèlerins attaqués. Un groupe de pèlerins est attaqué par une créature au cours de leur voyage. Par la suite, ils prient les Jedi de les protéger. Ouais. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Fuck. Ça s'ouvre de l'autre côté. Fort bien. Qu'il en soit ainsi. Toujours rien. Continue d'essayer d'établir le contact. Quand tu veux. J'aimais vraiment bien ce speeder. J'ai trouvé la tête.
Bam! Bam! Bien joué. Oh, je lui ai renvoyé dans la gueule à lui. Ça l'a calmé. Ça va aller. Ah merde, j'ai esquivé dans le caillou. Je me suis fait avoir. Oh, bien joué. Ah, il est mort. Casse-toi. Bien joué, Jedi. Merci. C'était fort simple. Je suis blessé. Je me sens beaucoup mieux. On tente le bluff. Meryn, tu t'en occupes ? Bien sûr. Faut qu'on se fasse bien voir si tu veux. On se retrouve de l'autre côté. C'est sûr, il y a un scénario où on se la tape si tu veux. C'est obligé. C'est sûr, faut débloquer toute option si tu veux. Toutes. Toutes. D'accord ? On est chez Electronic Arts si tu veux. Tous les moyens de nous ou de baiser sont validables, tu vois. Obligé. C'est un jeu à scénario si tu veux. C'est sûr. Qu'est-ce que... Oui. Très bien. Je vois que... Me faire agresser est donc de mise. Hop. C'est sûr, brave Jean. Il y a forcément des romances cachées. À moins... qu'ils aient vraiment respecté le code Jedi. Enfin, que Cal Kestis soit du tempérament à réellement respecter le code. Et dans ce cas-là... Non. Ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Mais on sait jamais. Bien joué. Faut penser à toute option. Ruines anciennes. L'ancienne civilisation qui a bâti cet endroit s'est éteinte il y a longtemps, mais les pèlerins se rendent toujours dans ces ruines pour les étudier. Très bien. En vous souhaitant une bonne journée surtout. Il est où? Pas de point d'observation? Sérieux? Ok. Je voulais voir du panorama. Ah ouais. Ok. J'avoue, stylé. Ok. Ils ont peur de toi. Je sais. Ils me surnomment le fantôme du désert. Le fantôme du désert, hein. Sérieux ? Hanter les impériaux est devenu mon passe-temps préféré. Trop bien de se faire appeler comme ça, en vrai. Alors, là, c'est pour continuer. Moi, j'ai pas envie de continuer. Je vais aller voir... Je vais aller voir s'il n'y a pas du loot ailleurs. Chiant, hein, mais... Là, le loot. J'avais raison. Ok, bon bah apparemment on a tout fouillé, j'analysais la zone. Ça a dû prendre plusieurs vies pour bâtir tout ça. Et c'est sûr. Ceux qui l'ont construit sont partis. J'ai découvert les restes de nombreuses civilisations pendant mes voyages. Tout a une fin, Cal Kestis. Pas tout, non. Ton optimisme m'avait manqué. C'est rare de nos jours dans cette galaxie. Oh là là, je veux ça. Je veux ça, on achète, brave Jean. Tout l'argent du manoir passera dans cette couleur rouge. Oulé. Tout. Tout le pognon des subs. Quoi d'autre ? Ah oui. Ok. Ok. Tout est sous contrôle.
On ne peut toujours pas aller ailleurs. Ennemi droit devant. Ah bon? Ah oui. Aidez-moi! Comme au bon vieux temps. Bien joué. Bien sûr que je suis rapide. L'explosion. Oui, on s'en occupe. Bah pas la sienne visiblement. Lui, sélection naturelle, hein. Sélection naturelle, brave Jean. Sélection naturelle. Il a tout compris. Il s'est dit non, mais de toute façon, vas-y, tu sais quoi. Voilà. Je préfère me suicider. Il en avait pas conscience, bien sûr. Plastoïde classique. Ok. Ou le scan. On dirait des Jedi. Ancienne guerre. Une fresque murale représentant une guerre entre d'anciens adeptes de la Force et un ennemi inconnu. Certaines figures ressemblent beaucoup à des c'est Jedi. Jedi ouais, Jedi ou Sith, hein, parce que là. C'était peut-être le cas. C'est pas à la capuche qu'on le reconnaît. Ah si, j'avoue. Le kimono en dessous de la bure. Ok. Ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Voilà l'oasis. Ce n'est plus très loin. Là, oui, d'accord. Tu voudrais pas ouvrir un passage par hasard? Comme ça, hein. Comment on passe? Comment on passe? Comment? Par là, peut-être. Tu sais qui c'était? Non, mais serré, peut-être. BD, tu trouves pas qu'il ressemble à Cal? Ça veut dire quoi, ça? Prépare-toi au combat. Tu as toujours aimé l'escalade. J'ai pas perdu la main. Si c'était ouais. Une blague, j'espère que tu vas tomber. Ah ouais, elle se planque. Elle se planque carrément. Pas mal. C'est où? Là. D'accord. Ah. Notre ennemi n'a aucune chance. Attention, je le dirai. Attaquez la cible. Je veux y arriver. Il n'en reste aucun. Bien joué, BD. Soldats en jetpack. Alors, ils ne peuvent voler que par courte rafale. Approchez-vous et frappez lorsqu'ils viennent au sol. Vous pouvez utiliser la poussée de force pour leur renvoyer leur grenade. Très bien. Certaines planètes sous l'influence toujours plus large de l'Empire ne sont pas propices à un assaut terrestre conventionnel. Le soldat en jetpack peut parcourir des terrains impraticables à pied grâce à son réacteur à courte portée. L'entraînement et l'équipement de ce soldat spécialisé dans le repérage des positions ennemies et les assauts frontaux lui confèrent une supériorité sur la plupart des positions d'infanterie retranchées. En revanche, comme tous les jetpacks, l'appareil est susceptible de tomber en panne et de surchauffer lorsqu'il est endommagé. Très bien. C'est un bon indice. Effectivement, la tempête de sable commence à se... Wow! Ok. Ah! Un nid de scryton. Ouais, ça mais pue un où peu est ça. Le scryton? Oui. Quelque chose approche. C'est ça la vraie question. Bah le scryton, voilà. Il est là, l'enculé. Très bien. D'accord, il sent rien. J'aime beaucoup cette créature, j'en veux un. Mad Mary, on achète. Mad Mary, on achète ça. Tout de suite. Ah ouais, il sent rien sur sa pince. Ouais. Merde. Joli. Bien ça. Voilà. Qu'est-ce que t'as trouvé? Scryton. Visez son côté droit le plus faible et attaquez son flanc vulnérable. En brisant sa grande pince gauche, vous rendez la créature vulnérable, mais c'est une tactique des plus dangereuses, en effet. Jedi abrite de nombreuses créatures dangereuses, mais peu sont aussi impitoyables et imprévisibles que le scryton. Cet animal asymétrique possède une griffe gauche énorme et terrifiante et terriblement puissante. Non contente de lui permettre d'écraser facilement sa proie, elle peut également résister à plusieurs coups directs. Ses déplacements sont irréguliers et difficiles à prédire, ce qui fait du scryton l'une des créatures les plus meurtrières de la planète. J'aime beaucoup cette créature, j'avoue. Un coup de main? En ai-je envie? Mais je m'en fous! Aide-moi! Sinon, on n'avance pas dans le gameplay. Merci. Serré serait déçu si je te laissais mourir seul dans le désert. Ouais.
C'est ça. Le spamel. Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser un ? Tout à fait, regarde. Je peux essayer ? Toi, t'es maçon. Moi, je suis Jedi, si tu veux. On y va, Amélie. Tu veux de l'aide ? Non, le STP. Merci. Voilà. Mais je me débrouille. Putain, ça monte en Amazon et tout. Ok. Sympa, j'avoue. Ça va se casser la gueule. On y va. Ok. Alors. Voilà, c'est bien. Ah, attends, parce que... Merci pour ton aide. Hop, bouge pas. Une oasis. On est sauvés. Maintenant, nous avons la force de franchir le pont. Que les Jedi nous protègent. Pèlerin sauvé. Peut-être que quelqu'un à la base de Serré saura quoi en faire. Il y a forcément du loot. Enfin, forcément. Non, mais j'ose espérer. C'est tout ? La tristesse ! Comment avez-vous osé, EA Games ? Au secours. Ça va aller, Mad Mary. Tu sais, je ne suis parti que depuis hier soir. Mais je prends. La base est loin. Plus vraiment, grâce à notre nouvel ami. Attends, il y a forcément du loot. On a le temps de discuter. Fuck, oula, STP. Oula, oh là là. Ça fait des années. T'as dû visiter la galaxie toute entière. Presque. C'était comment ? Incroyable. Comment ? La cité engloutie comment faire ? De Kurato, les falaises de Persaïa. La galaxie souffre. Bon bah non, j'arrive pas. Mais elle est encore belle. J'arrive pas. Tu as eu affaire à l'Empire ? J'arrive pas, brave Jean. On vit à une époque difficile. J'ai aidé ce que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Où que j'aille, tu n'étais jamais très loin de mes pensées. Ok. Suspecte, elle est depuis le début avec moi. Hein. Bizarre, hein. Bizarre un peu. Ok, tout doux. Putain, ça vous fait pas penser à Morrowind, cette créature, sans déconner ? Ce jeu, on en parle trop souvent de ce jeu. Hein. On en parle trop souvent. Il va falloir le faire un jour. J'aime beaucoup ce nouveau micro. Moi aussi, Mad Mary. Sache que je suis très content de l'avoir. La qualité n'est pas la même, hein, quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Enfin, j'espère que ça s'entend quand même. J'espère vraiment que ça s'entend. Alors, il y a des réglages à faire. Hein. Il y a plein de réglages à faire. Mais ça, je m'en occuperai. Là, j'ai juste branché le nécessaire pour faire le stream. Il y a plein de choses qui vont pas dans mes réglages et tout. Mais ce sera corrigé. Mais c'est quand même autre chose. Là, pour le coup, vous entendez ma voix, si tu veux. Et c'est différent. Vraiment, c'est différent. Alors, qu'est-ce qu'on le a chemin du retour. Là, c'était l'endroit de tout à l'heure. Là, c'est la main de Kit Fisto, si tu veux. Là, on peut pas monter. Je vais où, là? Il est Keblo. Ouais, c'est par là. Non, c'est pas par là en fait. C'est par là. Kit Fisto, the end. The hand of Kit Fisto. Garantie. Kit Fisto à qui il manque un doigt, bien sûr. Terrible. Kit Fisto est devenu une statue de pierre. Tu as évité Serré pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui ? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'ordre Jedi. Remarque ? Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être parti ? Je m'y attendais pas vraiment, Meryn. On porte tous dans des directions différentes. Je comprends, Cal. Mais chacun avait ses raisons. En fait, j'allais dire que Kit Fisto, en fait, c'est intéressant d'en avoir... Enfin, c'est pas une statue de Kit Fisto, hein. C'est simplement les Nautiliens, c'est ça leur nom, il me semble. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr du lore, là. Mais c'est intéressant d'en avoir fait une statue de pierre et d'avoir choisi un Nautilien pour ça. Pourquoi ? Parce que
c'est une créature très proche de Médusa en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. J'ai jamais vu de tempête pareille. Voilà, avec les longs cheveux comme ça en mode tentacule. C'est pas des serpents, mais voilà, ça compte. Et du coup, c'est intéressant, c'est rigolo. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est le genre de réflexion qui ne mène nulle part, mais qui voilà, fun fact. Fun fact, c'est tout. Nous avons un avant-poste. Nous avons un autre bâtiment très très sympa, je dois dire. Très fort sympathique. Nous avons quoi d'autre ? Des ombres. Intéressant. Mais nous voulons surtout nous rendre ailleurs. Pas là, c'est-à-dire. C'est-à-dire pas là. Ça court ce truc ou... Non, ça court pas. Très bien. Descends. Descends. Voilà, tout doux. Descends. Descends. Il veut pas descendre. Tout va bien. Oh, on peut pet de horse. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite? Regardez, je sprint. Attendez, il y a peut-être du loot. Non. Voilà, tout doux. Il n'y a pas de loot. One. Alors s'ils me font courir, c'est qu'il va y avoir des emmerdes, voilà. Plus vite. L'Empire, c'était sûr. Ah, il y a carrément des bipodes, des... D'accord. Ça marche. Ok, ça marche. On va se faire tirer dessus, hein. Je le dis. Il faut qu'on se dépêche. Ouais, c'est en cours, ouais. Effrayé. Il me résiste. Wow. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Mérine. Ok, donc l'atmosphère doit être particulière sur cette planète. Mérine. Alors ça se peut hein, d'avoir des tempêtes de sable qui sont pas violentes comme ça. Bah, sur Mars notamment. Je la vois pas, BD. Ça doit être une atmosphère égale. Sauf que on peut respirer dessus quoi, visiblement. Mais c'est bien connu que sur Star Wars, il n'y a pas d'incohérence, hein, évidemment. Les fans règlent tous les problèmes. Ah. Par ici. Mérine, on arrive. Je suis là. Tout hein. Va bien. Pour le moment. Par ici et vite. Merde. C'est quoi RB? Ah merde, c'est pas le bon bouton. Et maintenant, tu dois continuer. Calme, plus vite. Putain, mais elle est maçonne en fait. Puis tout à l'heure, elle répare des murs. Elle répare des murs, elle met des grappins, elle met. Allez, hop, dégage-moi ça là. Allez la maçonne. Vire-moi la tour de Pise là, ça dégage. Ça va. Et toi? Où est parti le Spamel? Ça n'a plus d'importance. Ouais, on s'en fout, ouais. Cal, faut arrêter de poser des questions à la con. Wow. Ok. Ça roule. Cal, par ici. Pas de loot? Un Strooper mort, très bien. Wow. Tu te calmes. Putain, le mec. Ouais, j'avoue. Bonne réflexion. Trooper, tu mourras en dernier. D'accord. Je suis à tes côtés, Cal. Oh.
qui va t'aider. Ouais, allez-y, enchaînez. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'arrive pas à le toucher. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ton arme n'est pas venue. Ouais, mon arme n'est pas venue, ouais, moyen. C'est beau d'y croire, mais... Oh, j'ai mal, hein, quand même, là. J'ai besoin de toi, BD. Bien joué. Ah, saloperie. Salaud. Oh merde. Oh merde. Oh, il m'a raté. Fuck. Oh, bien joué. Ah, ça va être complexe pour nous là. Moi je vais occuper l'attention pendant que Meryn Ah ouais, non. Dommage. Oui oui, bah ça va, j'arrive. On est dans un jeu vidéo hein. 3 secondes. Tu les tues par ordre de mérite, tout à fait. Quand un trooper a une réaction intelligente ou une réflexion, ce qui est déjà beaucoup, il mérite de mourir en dernier. Attention, je sens un danger à proximité. On les marquera en temps. Allez-y. Je vais blesser. On va nous faire ça. Tire de suppression. Un autre oh la gifle. Arrête de parler, pas toi. Ah, je peux pas leur renvoyer leur laser. Ah oui. Dangereux ça. Dangereux, dangereux. Dangereux. Merde. Laisse-moi me heal. Ouch. Faites-moi BD. Merde. Oh, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, bien joué, il m'a cancel mon anime. L'enfoiré. Merde! Il me cancel mon animation! Salopard! C'est moi ou j'ai bugué le jeu? Ah, je crois que j'ai bugué le jeu. Ouais, j'ai bugué le jeu, bravo. Ah, c'est bon! Non, ça va, en fait, j'avais pas bugué. Tout va bien. Tu casses tout, le fou! C'est clair. Bien. La cape BD, fous pas le feu. Ça coûte cher. J'ai pris les rideaux du Pailoon Saloon. T'entends ça? Impossible. Le Spamel a dû trouver un abri. Par ici. Ou alors il est mort. Ce Spamel nous a sauvés. Oui, oui, enfin calme-toi quand même. Une mort certaine. C'est vrai. Voilà, merci. Merci Meryn, putain. Quand même. Alors Meryn, tu peux allumer le feu. Ah putain, la conne, elle peut allumer le feu. Voilà. Va crever Meryn. T'es trop c'est stylé. Pour cette nuit. T'es trop stylé pour nous, meuf. T'as tout compris. T'as tout compris si tu veux. La dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit. Au programme. Convaincant. Et, je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver. Mais ça implique de ne plus se battre. Et me battre, c'est tout ce que je connais. Cal. Regarde bien le feu. Il te réchauffe.
T'es sérieuse, meuf ? Tu fais vraiment de la pyromancie maintenant ? Dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas ? Faut arrêter. Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Oh, il est sous LSD, le collègue, il capte plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Erreur 404. Regardez ses yeux, il est mort. Il est mort à l'intérieur, là. Mais par une nuit froide, comme celle-ci, un bon feu est idéal. Tout à fait. J'en conviens. Et ça ne fait pas de mal, un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Mérine. Toi aussi. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Ok. Et donc, c'est quoi le problème ? Qu'as-tu trouvé ? Je me suis trouvé. Je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découvert. Datomir sera toujours mon foyer, mais ça ne doit pas me définir pour autant. Très bien. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais avec du recul, je crois que tu as fait le bon choix. Bah elle fait ce qu'elle veut, quoi. C'est surtout ça le truc. Bienvenue à ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Installez-vous, braves gens. Soirée feu de camp. Soirée feu de camp. Garantie. Tout à fait. Ça pionce sec, hein. Le feu ! Enculé, le feu ! Elle l'a pas entendu.